Они снова охотятся. Зимой. Ну, это же совершенно невозможно. Вымренков! Вчера ночью кто-то вошел в память нашей центральной компьютерной системы. Согласно программному индикатору, компьютер запросили по поводу расположения инкубационных блоков. Годами сидим на этом проекте. Генерал Маренко, это ваша ответственность. Делайте что-нибудь. Бунин, подождите меня, дружок, за дверью. Похоже на почерк опять этого чертового шпиона, Анджело. Должны мы с ним что-то сделать. Будь осторожен. Я всегда осторожен, товарищ генерал. Бунин! Есть новость для вас, дорогой. Как вам понравится завтра будет в Цюрихе? О, в Цюрихе? Что я буду делать в Цюрихе, совершенно не представляю. А зиму собирать будете. Насколько я помню, Цюрих не был в проекте. Это не проект, Бунин. Это обеспечение безопасности проекта. Но ведь это вроде бы по вашей части, я веду только... Ответственница проект. Я требую вашей поддержки. Потому что Анджело вошел в компьютер центральную систему и вчера ночью. Мы готовим капкан Цюрихе. Вы его сокнопницы. Вы знаете, что я к вашим услугам. Товарищ генерал. Хмайн, хмайн. Дорогой Бунин. После вас, после вас. Mach schon!
was Besonderes. Aber schön dreckig bist du. Pass auf. Ja, also du geh ans andere Ende. Macht ruhig weiter. Komm noch mal zurück. Tu as planqué, où tu l'as planqué? Parle! Rien là-dedans. Allez, embarquons-le. J'ai pas d'argent. Je suis un ouvrier. Avance! Pressons! Amène la tire. John, reste ici et vois si quelqu'un vient récupérer ses grosses légumes soviétiques. Compte sur moi. Thank you.
as 7 minutes de retard, Harry. Circulation. Laisse-moi d'abord décoder ça, ensuite on parlera. Elsa. Bonjour, Harry. J'ai pensé que vous seriez heureux de vous revoir tous les deux. Alors vas-y. Allez, embrassez-vous. C'est le même scénario cette fois encore. Mais on peut le modifier. Qu'est-ce que ça va être à partir de maintenant? De l'amitié? Non, merci. Tu aimerais quoi, au juste? Des rapports plus, disons, un peu plus neutres? Exactement ce qui existe entre nous. Qu'est-ce que tu entends par là? Nous n'avons aucun rapport. Je suis prêt. Écoutez. Ici Angel. Enregistrement numéro 15. C'est la dernière bande que je vous envoie. Notre prochain contact sera plus personnel. Vendredi prochain, Milan. À la Scala, visite guidée de midi. Seulement 3 jours, c'est peu. Si vous avez bien analysé les récents renseignements transmis, vous devez être au courant des ennuis que nous avons eus ici, à Moscou. Nous avons fait ce que... On dirait que la faction Angelo cède du terrain devant les Faucons. Oui, ça me paraît évident. La ligne dure des militaires risque de nous être imposée. Si nous n'intervenons pas énergiquement, nous courons au désastre. Surtout si le plan Moisson d'hiver a reçu une nouvelle impulsion de la part du colonel Nikolai Pounin. Ce qu'ils veulent, c'est que l'Europe soit équipée avec ses armes XR-43 dans l'éventualité d'une crise. Si je comprends bien, ce sont des armes biologiques. Je croyais que Moisson d'hiver avait été enterré. Pas si Bounin s'en occupe. Écoutons la suite. Je ne connais pas dans le détail le projet Moisson d'hiver, mais Bounin le connaît parfaitement. Je parle ouvertement avant qu'il ne soit trop tard. Le colonel est actuellement à Zurich. Si ce projet n'est pas arrêté tout de suite, nous en subirons tous les conséquences. Rendez-vous à la Scala. Passionnant. Mais je ne vois pas du tout ce que je viens faire là-dedans. Au départ, nous voulions que tu surveilles en douce le service de sécurité qui protège le réseau Angelo. Ça, je le savais. Maintenant, tu dois en plus protéger Angelo. Et Elsa? Elsa? C'est simple. Elsa a été le premier contact d'Angelo. Écoute, Harry. Angelo est très important. Il faut le protéger à tout prix. Vous avez entendu? J'ai entendu. Le délai est plutôt court, non? Rendez-vous jusqu'à la Milan. Avec le vieil organiste de l'église de son village. Le temps passe et on ne voit personne. Ouais, et on ne sait même pas à quoi il ressemble. Sa famille et le village reconnurent son talent exceptionnel. Et ils décidèrent de l'envoyer au conservatoire de Milan. Vous voyez ici son buste. Son nom, Giuseppe Verdi. Il a réussi avec sa musique à enflammer l'âme des Milanais et du peuple italien. C'était avant le Risorgimento, c'est-à-dire l'unification de l'Italie. Maintenant, permettez-moi de vous montrer le théâtre. On le répète, Nabucco, qui est précisément un opéra de Verdi.
ici, Angelo. Enfin, vous n'êtes pas Angelo. Si, c'est moi. On y va. Venez. Molinari est là-bas. Dépêchez-vous. Le deuxième. Mercedes qui nous suit avec trois types à l'intérieur. On va leur faire faire une balade. T'es prêt? Mettons nos ceintures. De vous voir, mademoiselle Lang. Les quelques photos et les films que nous avons d'elle ne lui rendent pas justice. De vos lieux sûrs dont j'ignorais l'existence. Si vous l'aviez connu, il ne serait plus sûr. Ils seront mis au courant ce soir. On vous aura expédié avant. Où ça? À la terre promise. Trop tôt. Je ne suis pas encore prêt à y aller. Mon général, avant que nous discutions de vos plans et de nos plans, il me semble indispensable que vous nous fournissiez les noms et les lieux où opèrent les agents secrets et toutes les opérations dont vous pourriez avoir connaissance. Ceci pour votre sécurité autant que pour la nôtre. Silence. Lieu inadéquat. Heure mal choisie. Merci. Voyez-vous, Angelo a un arrangement avec Washington, voire cassette numéro 2. Mais je ne dois en aucun cas donner de renseignements avant d'être arrivé sain et sauf aux États-Unis. Monsieur Haller, je veux
que le colonel Wargrave est lui seul et l'entière responsabilité de la conduite de cette affaire. Il n'y a pour moi aucun problème. Mais il me faut l'accord de Washington. Nous savons, général, qu'en Union soviétique, vous êtes le troisième grand. Grossière erreur. Je ne suis pas le troisième grand, mais le premier en Union soviétique, maintenant que je l'ai quitté. Et si vous disparaissiez dans un missile, général? Autre erreur. Laissons-leur une petite chance. Laissons à Bounine une petite chance de me tuer. Parce que vous voyez, colonel, si nous attrapons Bounine, nous arrêtons le projet Moisson d'hiver. Combien de temps? Jusqu'à ce que je dise suffit. Il y a deux messages là-dessus, Rudy. Un, Milan a échoué. J'ignorais totalement qu'il se passait quelque chose à Milan. Moi, je le savais. Voyez-vous, général Malenkov s'est enfui de Russie. Gardez votre surprise pour une autre fois, Rudy. C'était un bon ami à moi. Quant au second message, j'ai bien peur qu'il vous déplaise aussi. Il dit que vous êtes autorisé par le maréchal Prashko à transférer à moi, tous les réseaux clandestins de renseignements militaires sans exception dont vous avez le contrôle en Europe. Ils sont là pour servir en cas de guerre. Je le sais. C'est ma préoccupation constante. Mon souci depuis le début. Et il m'a fallu des années pour les mettre en place. Écoutez, Malenkov en sait beaucoup trop. Voyez-vous, nous ne sommes plus engagés dans une affaire de renseignement simplement. Il s'agit de politique de haut niveau. Mes ordres sont d'éliminer Malenkov à tout prix. J'ai donc besoin des forces les meilleures et les plus combatives cachées en Europe. Elles étaient à vous, aujourd'hui elles sont à moi. Donc, voici ce que je veux. Localisez Malenkov à Milan. Et dites à toutes vos unités de choc qui se trouvent en Suisse et en Italie de se tenir prêtes. Voulez-vous que je vous choisisse une cravate? Oui, merci beaucoup. Messieurs. Eh bien, monsieur, alors qu'est-ce que vous en pensez? Ai-je l'air assez banal? Général Malenkov, quel est votre plan? Mon plan, c'est de forcer Bounine à se détruire lui-même, en essayant de le forcer à me détruire, moi. Comment? À votre aide, je n'y arriverai pas. Je voudrais vous faire une proposition. Prenons l'Eurotrain Express à Milan, en direction de Zurich, Bâle, l'Allemagne, la Belgique, puis Rotterdam et Amsterdam. Première classe, j'imagine. Exact. Harry, le train. Tu crois que ça vaut le coup de prendre ce risque? On ne sait pas. Pour nous, c'est un paquet qui doit arriver en bon état à Washington, où on viendra le prendre. Mais on va l'utiliser pour essayer de débusquer tous les réseaux militaires soviétiques disséminés en Europe. Je veux voir ces types cachés depuis 20 ans, ces agents entraînés spécialement pour une guerre éventuelle. S'ils veulent l'avoir, il faudra qu'ils y mettent la gomme. Et si nous survivons, nous les éliminerons. À Saint-Pétersbourg, où ses frères habitaient. Me ramenant chez moi, elle a dit, c'est trop dur aujourd'hui. Non si può passare. E come non si può passare? Devo portare i bagagli a chi? Ci stanno aspettando. Ci stanno. Beh, no, non si può, allora. Io sono parte alle 6. Dietro. Il treno parte alle 6. Carabiniere, per favore. Facciamo il nostro lavoro.
Attenzione, i passeggeri dell'Atlantic Express sono pregati di imbarcare sul binario 12. I passeggeri dell'Atlantic Express. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est au sujet d'Harry. Quoi? Il a été abattu. Il poussait un chariot à bagages. Quelqu'un le guettait. Harry est mort. Elsa. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous et Harry. Je le suis pour nous tous. On vient de nous apprendre la mort de Wargrave. Qui a donné l'ordre de le supprimer? Ça, je n'en sais rien. Pas moi, peut-être Moscou. C'est moi, Moscou. Et je n'ai jamais donné cet ordre. Nous ne sommes pas les seuls ennemis qu'ils aient. Eh bien, essayez de savoir qui l'a tué. Nous faisons le nécessaire, camarade colonel. Oui, faites-la monter. Mais pourquoi Marenkov a-t-il déserté? Pour quel motif? Comment le saurais-je? Qui sait ce qui se passe dans la tête d'un homme comme celui-là? Je ne comprends pas non plus. Voyez-vous, parler d'un événement avant qu'il ait eu lieu, c'est prédiction. Parler d'un événement quand il a eu lieu, c'est tout simplement ce qu'on appelle faire du bruit. Des sons qui n'ont aucune signification. Nous savons qu'il s'est enfui, essayons de réparer. Allez ouvrir. Nikolai! Olga! Je suis si content de te voir. Ta santé est bonne? Parfait. Merveilleux. Montre-moi ça. Ah, bien, bien. Très bien. Tu as bien travaillé. Nous avons les renseignements qu'il faut. Marenkov est dans l'Eurotrain Express, direction Zurich. Avec une demi-douzaine de carabiniers. Il faudra un commando spécial pour l'attaquer. C'est dans nos moyens. Voilà les numéros, les noms et les codes. Allez-y, appelez-les. Appelez Lugano. Opération choc. Et prévenez notre équipe d'Andermatt qu'ils se tiennent prêts pour une opération de soutien. Allez, je vais t'offrir le thé. Ce tabac finira par me tuer. Tu sais, je pensais à quelque chose. À quoi? Je pensais que je ferais peut-être mieux de prendre ce train, moi aussi. L'ennui, c'est que Marenkov risque de me repérer. Nous n'avons personne à nous dans ce train? Si. Ah. Nous avons un furet dans les deux derniers wagons et une belette, quelque part dans les autres. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la frontière suisse. Préparez vos passeports, s'il vous plaît.
Prego, signori, non spingete, non spingete. State ora entrando in Svizzera, preparate i vostri passaporti. Prego, non spingete, signori. State ora entrando in Svizzera, preparate i vostri passaporti. Preparate i vostri passaporti. Général? Avez-vous des nouvelles intéressantes pour moi, messieurs? Non. Les soviétiques n'ont même pas annoncé votre désertion. Ce qu'ils voudraient, c'est annoncer ma mort. Un peu prématuré. Avez-vous dit que le colonel Wellgrave a été tué? Il y a beaucoup de neige cette année. Oui, et il y en a beaucoup sur les routes. Mais la neige vole. Elle peut aller où ça lui plaît. Vous prendrez un peu de café? Oui, merci. Merci. Il est l'heure. L'Atlantique Express a 5 minutes de retard. Vous avez faim? Non, je m'ennuie. Asseyez-vous, Elsa. Je vous en prie. Je ne vois pas de quoi nous pourrions parler. Nous pourrions parler de vous, et puis de Wargrave. Où ça a commencé? Ça a commencé un peu comme un roman de la série noire. À une réception de l'ambassade à Paris. Jamais je ne me suis sentie si fière de moi. D'abord, j'étais jeune. Correspondante de presse. Une femme. Il est tombé amoureux des trois choses à la fois. De deux. Après les compliments d'usage en bois de fleurs, etc., un soir, nous sommes allés dans un restaurant de la butte avec musique et chandelles. Et une Elsa qui était entre deux nuages.
Il s'est penché sur la table, a pris ma main et il a dit... Voudriez-vous porter un paquet pour moi en Yougoslavie? Très drôle. Et c'est ainsi qu'il vous a recruté. Merci. Mais il vous aimait. Non. C'est moi qui l'aimais. Je suppose. Oui, enfin presque. Racontez-moi. C'est une histoire triste, vous l'aimerez? Je n'en connais pas d'autre. Après la guerre, j'étais un jeune officier, j'étais responsable d'une province au fin fond de la Russie. Là-bas, je tombais amoureux d'une femme, jeune, jolie. Elle vous ressemblait. Elle avait de l'autorité, le sens du commandement. Et elle aussi, comme moi, était membre du Parti communiste. On l'envoyait constamment en mission ici ou là. Et moi, je l'attendais dans cette ville. À cette époque, c'était un village encore tout en ruine. Mais je l'aimais. Et je voulais l'épouser. Alors, un jour, je le lui ai dit. C'est maintenant ou jamais. La veille du mariage, nouvelle mission. Elle a été appelée. Elle est partie en me promettant de revenir pour la cérémonie, que personne ne l'empêcherait. Le jour du mariage arrive. Je suis là avec tous les invités. J'ai passé mon plus bel uniforme. Tout le monde s'amuse, tout le monde danse. Ce ne sont que des rires partout. D'un coup, le téléphone sonne. C'est la voix d'un inconnu. Il y a eu un accident. Elle conduisait trop vite. Elle voulait être à l'heure pour le mariage. Tu es sur le coup. Je n'ai rien dit à personne. J'ai laissé se dérouler la cérémonie sans elle, sans la mariée. On a bu et chanté, moi comme les autres. Je sais que vous avez été marié, général. Et je sais que votre femme s'est suicidée. Appelez Lugano. Essayez de savoir quel est le retard sur la ligne avant Vira. Tenez. C'était les derniers jours de Staline. Des jours de cauchemar. En revenant chez moi le soir, ma femme me disait régulièrement « Combien de tes amis as-tu envoyé en prison aujourd'hui ?» Elle n'était pas membre du parti. Nous avions des disputes terribles. La vie à la maison était un enfer. Elle m'harcelait, elle criait, elle m'insultait. Qu'est-ce que c'est que ces chefs qui ont peur d'être tués? Qu'est-ce que ces lâches? Les chefs doivent donner l'exemple. Je lui répondais, qui t'autorise à dire que je suis un lâche? Qu'est-ce que tu en sais? Mais un soir, en revenant à la maison, je l'ai trouvée, elle était morte. Elle s'était suicidée. Et vous avez attendu tout ce temps pour déserter? Pour la venger? J'ai dû avoir la patience d'attendre toutes ces années pour la venger. 12-6-0-9, le signal 68 est au rouge.
Ça signifie? Qu'il y ait un signal d'arrêt sans qu'on puisse expliquer les raisons, mon colonel. Et si vous décidez de passer outre, ça coupera. Le train ne pourra plus avancer. Il sera probablement attaqué. Préparez-vous à défendre la locomotrice. Donnez le signal d'alerte. Leroy! John! Ne bougez pas et fermez votre porte. Baissez-vous et éteignez les lumières. Tout le monde dans son compartiment. À plat ventre. Vite, Elsa! De la part d'alerte pour Elsa! De la part d'alerte pour Elsa! John arrive! Je vous ai reçu! Où est John? Sacré fripouille! Où est John? Dernier wagon avec Elsa et Marinkov! Je ne sais pas où il est! Si je ne me trompe, tu ne devais pas quitter Marinkov. Marinkov! Marinkov, c'est Wehrgrave! Comment allez-vous? Roulement froid dehors. Plus froid qu'à Moscou. Mais ça chauffait trop dans le train. Il va y faire plus frais maintenant. Confiance à personne. Tu as manigancé ça tout seul. Je n'avais pas le choix. Le colonel Molinari était le seul à n'avoir aucun lien avec notre groupe. S'il y avait un traître parmi nous, c'était forcément Haller, Leroy, John, Neckerman ou Elsa. Molinari a arrangé le coup à la gare et j'ai joué la victime. Tu as soupçonné même tes amis. Pourquoi pas? Et tu m'as soupçonné. Tu ne t'es jamais soupçonné toi-même, par hasard. Moi, je le soupçonne depuis le début. Depuis qu'il m'a dit au moment où nous devions partir que si le train était attaqué et arrêté, il fallait sortir et nous cacher dans la neige. Je pensais qu'il voulait me voir mourir de froid. Même à moi, il n'a pas voulu dire où il serait. Détendez-vous, colonel. Nous sommes toujours en vie, n'est-ce pas? Harry, je t'aimais mieux mort. Contactez Andromat. Dites-leur de poursuivre l'opération Wasserhorn et ne vous préoccupez plus de Zurich.
Oh, pendant que j'y pense, le vrai Goltchak ne fume pas. Quoi? Il ne fume pas? Hein? Oh, ce sera ma mort. Le temps s'éclaircit autour de Biasca, Airolo et le col du Saint-Gothard. Il est très mauvais de l'autre côté de la montagne. Violente tempête de neige prévisible. Demandez à la station météo de Davos d'envoyer l'hélicoptère faire une petite inspection. Si le temps le permet, s'il se maintient, ils iront. C'est là que j'essaierai mes meilleurs atouts si j'étais Bonim. On ne peut pas protéger le train à cet endroit. Atlantique, ici hélicoptère de la base météo de la station de Davos. Nous surveillons votre itinéraire. Restez branchés, Atlantique. L'hélicoptère est parti. Ils nous font des rapports régulièrement et nous diront s'il y a des risques d'avalanche sur notre parcours. Nous n'arrêterons plus de monter maintenant, jusqu'à Groschen. Bonjour, Elsa. Elsa. Je suis désolé. J'ai été obligé de me servir de toi. Ne te sens pas coupable, Harry. Jamais je n'ai cru au Père Noël, tu sais. Atlantique, ici l'hélicoptère. Nous sommes maintenant au sommet du col. Survolerons après le pic du Vasseror et ferons un rapport sur la situation. Restez branchés, Atlantique. Je viens de recevoir le premier rapport de l'hélicoptère. Reste en contact. Atlantique, ici hélicoptère. Nous voyons deux skieurs sur le Vasseror, juste au sommet. Je répète. Deux skieurs au sommet du Vasseror. J'ai entendu, deux skieurs. On va se rapprocher et voir de quoi ils ont l'air. Vers le village. Votre seule chance est le tunnel. Elsa, va chercher à l'heure, Eliron. Mécaniciens, sommes menacés d'être pris sous une avalanche dans un instant, alors mettez-moi toute la gomme, allez-y à mort. Vous serez tiré d'affaire si nous arrivons au tunnel. Je sais bien qu'il y a ce tunnel, mais pouvons-nous y arriver à temps? Pas assez de vitesse, en tout cas. Si nous avions un peu moins de wagons, ça aiderait. Combien en moins? 3? 6? 3. D'accord, allons-y, Neckermann. Elsa, emmenez Marine comme dans wagon restant. Leroy, apporte-moi un paquet de plastique et un détonateur automatique. Molinari, faites venir tout le monde en tête du train avant le wagon restaurant. À l'heure, nous allons détacher les trois dernières voitures pour qu'ils puissent accélérer un peu dans la montée. Une fois dans le tunnel, ça ira.
dans le couloir et suivez-moi. Tout le monde dans le couloir, prenez vos bagages. Et ne prenez que vos bagages à main. S'il vous plaît, suivez-moi. Allons, pressons, pressons. L'explosion doit avoir déconnecté le système de batterie. Oui, mais nous continuons d'avancer. Et bientôt nous amorcerons la descente. Nous pourrons traverser le tunnel sur notre lancée et arriver jusqu'à la prochaine centrale, où nous récupérerons automatiquement du courant. Harry, j'ai encore trouvé deux torches.
jamais encore embrassé avec autant de passion, Harry. C'est que jamais je n'ai eu si peur. Oh, je n'aime pas ce monde, tu sais. Une avalanche pour tuer Marenkov, un ignoble déserteur russe. Elsa, je t'ai mise dans le coup bien avant de t'aimer. Goldchak. Oui, vous avez une réservation, monsieur. Voilà. 218, monsieur. Merci. Me voici Dr. Heinz Goldschak, ou colonel Nikolai Bounine, ou ce qu'il vous plaira. Professeur Heinz Goldschak, j'ai pris le risque de vous rencontrer pour de la bonne raison que votre couverture est en danger. Je suis venu chercher de l'aide. Asseyez-vous, Geiger, asseyez-vous. Et pour changer un peu, écoutez-moi. Votre groupe ayant effectué une attaque stupide pour faire évader certains des vôtres qui attendaient d'être jugés à Hambourg a coûté la vie à 20 badauds innocents. Ils sont actuellement dans une misérable cabane à Vilich, ne sachant plus où se diriger. Mais je vais m'occuper d'eux et je suis là pour ça. J'ai une proposition à vous faire pour vous aider. Une proposition honnête. Il y a un cargo soviétique, le Maxim Gorky, qui se trouve au large de Rotterdam. Une fois à bord, vos camarades seront libres. Ce bateau est en route pour l'Angola où, ainsi que vous le savez, on vous recevra. Contre cette liberté, que voulez-vous qu'ils fassent? Ce qu'ils ont l'habitude de faire, rien de plus. Je veux que l'Atlantic Express soit détruit. Et je veux qu'il soit bien évident que c'est une action du groupe Geiger. Vous aurez vos uniformes, vos cagoules noires, vos blousons noirs, vos bottes et pantalons noirs et aucun survivant dans ce train. Vous garantissez qu'ils pourront s'enfuir? Naturellement, je serai moi aussi sur ce train et sur le Gorky. Est-ce que... Nous avons le colonel Scholten au téléphone. Il prendra la relève pour les Hollandais quand l'Atlantic Express arrivera dans son pays. Il nous signale également que la police allemande l'a informé que le groupe Geiger se trouvait du côté de Vilik, prêt à passer en Hollande. Scholten, Wargrave ici, m'entendez-vous? Alors écoutez bien, je veux que vous laissiez entrer le groupe Geiger. Oui, je sais que nous sommes probablement leur cible, mais je veux que vous les laissiez passer, d'accord? Bien. Express now arriving on track 16. Attention, l'Atlantic Express entre en gare, quai numéro 7. Attention, l'Atlantic Express. Disembarking passengers, proceed to your right. Disembarking passengers, proceed to your right. Electric passengers, transport passengers, proceed to your left. Transport passengers, proceed to your left. Half an aisle,
On a perdu trois voitures dans une avalanche. On les remplace. Attention, tous les passagers de l'Atlantique Express en voiture, s'il vous plaît, quai numéro 16. Oh, ne vous inquiétez pas, messieurs, je sais ce que c'est. J'ai un passeport diplomatique et je sais qu'avec ceci, je n'ai pas à me soumettre à ce contrôle, mais en signe de courtoisie envers votre gouvernement, je suis heureux de m'y prêter. Vous collectionnez les livres, monsieur ? Je vais les vendre. À une vente aux enchères, à Londres. Ah, très bien. Atlantique Express est parti. Signalez-le à Willy. Fait son rapport, qui ne parlera de rien. Et moi, j'ai un œil sur tout ça. Et moi, je regarde la nuit passée. Tu veux du café ? Non, merci. Que peut bien attendre Marenkov de l'Amérique ? Une vie meilleure, je présume. Tu crois? C'est normal, non? Il faut te dire une chose. C'est un monstre qui a des faiblesses. Un homme banal, en somme. Nouveau, en fait. C'est différent. Il y a un cargo soviétique, le Maxim Gorky. Il est ancré juste à la limite de nos eaux territoriales et jamais je ne l'ai vu bouger. Il ne va nulle part. Il est là comme un bouchon qui flotte au vent. Il est là pour recruter des agents, je suppose. Mais c'est vrai qu'il essaie de le faire, mais nous aussi. Parfait. Pas de traces de Bounin ? Non, aucune. Je vais peut-être aller faire une ronde de sécurité par là encore une fois. Jamais nous ne serons assez prudents. Moi, je vais venir avec vous, alors. Vous venez, Harry ? Non, j'ai un bébé russe à surveiller. Dans
Dans le wagon qui est situé après la locomotrice, dans les toilettes arrière, il y a un panneau qui s'enlève dans un coin du plafond. À l'intérieur, 4 grenades, 2 revolvers, plus une mitraillette qui ont été placées là à Milan par un de mes agents en Italie, Philippe John. Je ne vais pas pouvoir bouger tant que Shorten ne sera pas retourné à sa place à l'arrière. Rassurez-vous, son petit tour va être vite fait. Nous avons avant d'intervenir encore une 20aine de kilomètres. Je vous rejoindrai à l'avant. Passeport, Pitié. Pardon. Si on n'y va pas tout de suite, ce sera loupé. On va bientôt traverser le pont et entrer à Rotterdam. Ne t'en fais pas, tout va bien. Reste là. Rendez-vous sur le hors-bord, hein. Bonjour. Où on va tous sauter. Allez, vas-y. Tournez-vous. Tournez-vous. Si vous tirez sur moi, les grenades exploseront et nous serons tous tués. Ralentissez le train et arrêtez-le. Il ne doit pas franchir le pont, c'est bien clair. Sinon, j'ouvre les mains. Ouvrez cette porte, dépêchons! Éloignez-vous, éloignez-vous et stoppez ce train! Hé, hey, tout doux, tout doux. Il ralentit, ma jolie. Attaquer!
ligne! Cochon, cochon! Harry! Bounine s'est enfui. Pas encore. Où sont passés les autres? Quelques-uns ont été tués. Et Bounine se dirige vers le Gorky. Voilà notre chance, Harry. Oui, l'hélicoptère aura Bounine. Ce n'est pas assez. Profitons-en, Sholten. On peut avoir toute la bande et le bateau en prime. La moitié des agents ultra-secrets d'Europe sont sur ce cargo. Mais ce sera la guerre, Harry. Ça provoquera une crise internationale. Et que croyez-vous que ce soit? Ce n'est pas la guerre. Ce n'est qu'une attaque de plus du groupe Geiger contre un train. Tout le monde sait ce qu'est le terrorisme Harry, de nos jours. Vous ne comprenez donc rien. Le terrorisme, c'est aussi bien la bombe de Geiger que de n'importe qui. Et vous le savez, on n'est sûr de rien si on ne leur enlève pas leur cagoule. Alors allons-y, ramassons les morts et allons voir ça de plus près. J'espère que je sais encore manœuvrer ce truc-là. У борта. Это не важно, мы в международных водах. Это не датская береговая охрана. Это Geiger группа. Они все-таки выжили. Перехожу на малый ход. Нет, нет, нам скажут спасибо за их гибель. По данным мне инструкции, мы их подбираем. Отменяю это. Специально отменяю это. Общая тревога. Вся команда на палубу. По местам! Давай, давай, дальше! Спускай!
elle. Allons-y, mettez vos masques. Général, nous venons de recevoir un message d'un de nos agents de Moscou. Avec la disparition de Bounine et le projet Moisson d'hiver découvert, il semble que les faucons du Politburo soient mis sur la touche. Et qu'ont-il dit à propos du général Marenkov? Rien. Silence total. Fait de la peine. Il sait qu'il finira en exil. Il est condamné à vivre tout seul. Comme nous. Ça peut peut-être s'arranger si on y met une autre. Partim à Saint-Pétersbourg, où ses frères habitaient. Me ramenant chez moi, elle a dit, c'est trop dur.